Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 66 de Dragon Age 2. Ici. Ah vache. J'ai bien fait de sortir mon chien, ça m'aide un petit peu. Salut. Je vous reconnais bien là. Depuis que vous avez débarqué du navire, à Kirkwall, vous n'avez eu de cesse de fourrer votre nez partout. Je me souviens pas de vous, mais que fait-vous ici ? On se connaît, voilà, c'est ça. Qui êtes-vous déjà ? Sanson. Vous vous souvenez de l'évasion de votre ami Fenrir, il y a quelques années ? C'est à cause de moi qu'elle a capoté. Ah. Jadis, j'étais Templier. Mais ça, c'était bien avant votre naissance. Ok. Et tu fais quoi, là ? Faites-vous partie de ce complot contre Meredith ? On peut dire ça comme ça. Cette fille de Catin m'a expulsé des Templiers parce que je délivrais des lettres d'un jeune mage à sa moitié. Elle a une épée tellement enfoncée dans le cul qu'elle pourrait vous décapiter d'un coup de langue, d'un seul. Elle est légèrement instable. Pour sûr, Meredith a l'air d'en connaître un rayon, question foualier. En quoi a-t-elle tort ? J'espérais endosser mon bouclier après le départ de Meredith. Mais elle avait peut-être raison. Les mages et la liberté... Donnez-leur un doigt, ils vous coupent le bras. Je veux aider les mages. Vos amis ont raison. Sans Meredith, Kirkwall vivra de nouveau en paix. Des mages et des Templiers en train de collaborer ? Je dois rêver. Oh, tais-toi, toi. Moi, j'aime pas Meredith. Ce n'est jamais si simple. L'avoir embarqué pour Val-Royaume me ferait chaud au cœur. Mais je n'ai aucune envie de me retourner contre tout ce qu'il y a de plus normal et naturel. Ok. Ah, pardon, je servais encore la boisson. Donc, Meredith, ouais, elle me saoule vraiment pour l'instant. Ceinture. Vraiment de la double. Oh la vache, c'est du loot, là. Je sais même pas ce que j'ai reçu. C'est quoi ? Une souris ? Une scorie éthérée. Je ne sais pas ce qu'est une scorie. On va demander à Google. Scorie. C'est quoi ? Matière volcanique. D'accord. C'est... Je sais pas vous faire voir. Pierre, vous recherchez. Chez vous, c'est une pierre volcanique, en fait. Merci, Google. J'aime pas écrire. C'est cool. Hop, je remets mon chrono. Ok. Bon, apparemment, on n'est pas parti pour trouver le home. Je sais pas où on va le trouver. Salut les gars. J'arrive les gars. Vous occupez pas de moi. Je fouille un petit peu avant la zone. Tac. Les gravats, il n'y avait pas un piège ici. Un œil de tigre. Là-dedans, je crois qu'il y a un piège. Non. Ok, bonjour. J'imagine que c'était trop espéré que vous ne veniez pas. D'un autre côté, maintenant je comprends pourquoi vous êtes du côté de Meredith. Vous m'avez prouvé que nous pouvions lui tenir tête. Lorsque vous avez vaincu les brigands de Karras pour sauver ses mages, je vous en prie, héros. J'ai infiniment de respect pour vous, mais Meredith doit partir. Libérez ma sœur. Il n'y aura pas de négociation tant que vous détiendrez Bethany. Nous ne ferons aucun mal à votre sœur. T'as pas de bras. Nous la libérerons dès que vous nous aurez assuré de votre soutien. Non ! La fille meurt ! Ensuite, le héros. Rendez-vous, Grâce. Grâce ? Nous vous avons sauvé. Que faites-vous ? Jamais nous ne tuerons d'innocents pour arriver à nos fins. Un seul faux pas, et nous serons pareils à Meredith.
Meredith, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je suis ici pour le héros. Ne me cherchez pas d'embrouille. Ah, je savais bien que j'aurais dit foutu. Ne me cherchez pas d'embrouille. Touchez à ma sœur et vous êtes morte. Decimus disait vrai. Un mage ne peut vivre sous la loi de la chanterie. Vous avez tué le meilleur homme que j'ai rencontré de ma vie. Mais j'avais appris tout ce qu'il avait à enseigner. Alain, tu es l'otage. Je ne sais pas, Grâce. Pourquoi faites-vous ça, Alain ? Et moi qui croyais que vous aviez tourné le dos à la magie du sang en voyant ce qu'il était advenu de Decimus. Vous ne pouvez pas comprendre. Rester enfermé des jours et des jours, pas d'air, pas de lumière. Les Templiers qui nous harcèlent de questions. Quand Trasque nous a offert la chance de faire un cercle meilleur, je l'ai saisi. Mais tout cela est faux, Grâce. C'est Meredith qui est à blâmer, pas le héros. Ne vous défiez pas, petit insolent. Sans moi, vous n'êtes rien. Je le ferai moi-même, puisque vous êtes trop pleutre. Non ! Non. Le tuer ne rimerait à rien. Oh, mais c'est là que vous avez tout faux, mon petit. Contenez-vous ! Magie du sang, bah ouais. Oubliez l'otage, mort au héros. Ah, Grâce, voilà, tu touches pas à ma sœur. Voilà, déjà, on n'en parle plus. Abomination de l'orgueil. J'aimerais bien qu'on s'occupe des petits autour quand même. J'aime pas, vous êtes vachement plein de la chance quand même, les gars. Il y en a un qui a des pop, je sais pas où il va arriver. Ok. Ouh, tu m'as fait assez mal, toi, coquin. Marque de la mort déjà. Ok, je m'occupe de vous maintenant. Putain, elle est morte. Oh ! J'ai bien essayé de rester loin d'elle, vous savez, après Decimus. Mais ici, le cercle est pire que celui d'Osterberg ne l'a jamais été. Et il semble qu'elle n'avait pas le choix. Je suis désolé. Grâce a dû user de magie du sang pour la retenir. Il faut donc en user pour la libérer. Que s'est-il passé? Tout ce dont je me souviens, ce sont ces Templiers pénétrant dans mes quartiers. Venant de vous, ça m'étonne guère. Vous êtes en sécurité maintenant. C'est la dernière fois qu'une telle chose arrive, je le promets. Merci. C'est bon de savoir que vous prenez encore soin de moi, même de loin. La réunion a lieu ici, Serkelen. Oh, la rencontre avec les mages ne se serait donc pas déroulée comme prévu? Héros, Sanson avait omis de me parler de votre implication dans cette affaire. J'ose imaginer que votre présence ici se doit à votre volonté d'anéantir ces traîtres, non de les joindre. Le héros est quelqu'un de bien, Serre. Il essaie de trouver une solution pacifique au problème. Interrogez le mage. Ne faites pas de mal à Alain. Ce garçon a tenu tête à ses aînés qui s'apprêtaient à tuer un otage innocent. Il était l'un des leurs, rien de plus. Il aurait pu retourner sa veste au dernier moment. J'inciterai Meredith à faire preuve d'indulgence à son égard. Merci, héros.
Tout le monde est en état d'arrestation. Conduisez-les à la potence. Dois-je faire une recommandation à Meredith de votre part, héros ? Faites preuve d'indulgence. Si vous commencez à tuer quiconque osait mettre un doute sur les compétences de Meredith, Kirkwall aura tôt fait de se transformer en ville fantôme. C'est trop ça. Et à vos yeux, c'est une raison valable pour épargner les mages du sang et leurs sbires ? Ah. Certains d'entre eux peuvent peut-être encore échapper au massacre. Bon. Ouais, en parlant de massacre, c'était un bon gros massacre. Alors, les corps, vas-y. Grâce. Ah, le home ! Le home, le home. Cool. Oh, le style. Oh, la classe. Je surkiffe. Ça y est, on est stuff. Daube. Daube, bah oui. Merde, si j'ai pu passer la bonne touche. Ah, on a le stuff complet. Ok, c'est cool. Bon, on va rentrer. Il nous reste combien de temps? 8 minutes. Ah, c'est cool. On a quoi comme quête à faire? La goutte d'eau. Un plat qui se mange froid. Ah, pardon, j'ai reçu une alerte. Ok. La nouvelle Orsino. Orsino. Très bien. Parce que Meredith, je l'aime pas du tout. Alors, on a. Putain, on a retrouvé notre sœur. C'est trop cool. C'était à droite, hein. À gauche, c'était plus près, je crois, non? Je sais plus. Bref, il y a une sortie par là, je le sais, mais c'est fou. D'accord, en fait, c'était pas plus près. Voilà, quitter la zone. Donc, faut aller. Non. La potence. Ah bah oui, il est là le truc des Templiers. Ah. Allez. Le chevalier capitaine vous rend grâce pour votre soutien. Ouais. Allez, Orson Welles, là. Orsino. Votre groupe de mages et de templiers complotait pour renverser Meredith. Maintenant, je regrette vraiment d'être intervenu. Vous savez, je croyais vraiment que Meredith avait tout manigancé pour me forcer à me compromettre. Elle n'était pas impliquée. Trask a avoué que c'était lui qui dirigeait le groupe. J'ai peut-être exagéré sur sa folie, mais si elle n'en est pas encore à ce point, elle le sera bientôt. Je suis d'accord. Ah, elle est là. Reste à savoir si une fois la lumière faite sur son incompétence, il y aura encore quelqu'un pour l'affronter. Veuillez accepter ceci en signe de remerciement. Par les temps qui courent, cela vous sera plus utile que mon amitié. Anders rivalité, robe du cercle, je m'en fous du coup. Bah oui, évidemment, je m'en fous, je suis pas mage. Putain, j'ai le stuff. Pardon. J'ai ce stuff de ouf, héros. On va retourner à la maison pour qu'elle se remette bien, la copine. C'est vrai. Bethany, par exemple, n'était pas faible. Vous évitez volontairement de parler de moi. Ok, c'est aussi vrai. On va quitter la maison. On a reçu une lettre encore. Ravi de vous revoir, Messira. Un autre message est arrivé en votre absence. Je l'ai posé sur le bureau comme d'habitude. Très bien, c'est parfait. Le home. Un mur ou défense? Armure. Voilà. Sur le bureau. Je peux le faire pour vous? Vu que je connais pas la différence. La goutte d'eau.
votre soutien à afficher à la cause des mages de Kirkwall m'amène à demander une fois de plus votre assistance. Meredith est allée trop loin. Et je ne peux rester passif devant une telle folie. Je vous demande de me rejoindre à la potence sur le champ. Ensemble, nous pourrons peut-être mettre un terme à tout ceci avant qu'il y ait un bain de sang. Premier enchanteur, Orsino. Bah, si tu veux, on était devant toi, mec, tout à l'heure. Putain, je peux pas reprendre ma sœur. Je peux pas annuler. Rentrer. Non, me dis pas que c'est le bouton qui déconne. J'ai souvent un problème avec mon bouton échappe. Voilà. C'est pas le bouton. On avait notre sœur qui était là. Mais tiens, toi, Meryl. Vous savez, je commence à croire que Sondal me surveille. Oui, je sais, tu l'as dit tout à l'heure. T'es où, ma sœur? Hey, sister. Elle est pas là? T'as pas vu ma sœur? J'espère que vous allez bien, maître. Oh, j'aime qu'on me parle comme ça. Alors, on y va Malgré pas. Malgré les années qui ont passé, il est toujours difficile d'entrer dans la chambre de mère. Orana est un professeur de musique très patient, mais Meryl devrait vraiment se cantonner à la magie. Bon, ok. Et là? Isabella avait l'air déçue de n'avoir pas trouvé le moindre ragot digne de ce nom à partager. Quelle fouineuse. Il n'y a rien là-dessus. Ok. Bon, on va ressortir, on va aller voir Orsino. Vous avez vu, je me suis pas trompé, j'ai dit Orsino. Par contre, il n'y a pas ma sœur, je suis dégoûté. J'ai pas de nouvelles de ma sœur, on l'a juste vue comme ça. Et on n'en sait pas plus. Fouette la goutte d'eau, c'est ça la goutte d'eau hein, qu'on doit faire. Ouais, c'est ça, nouvelle voie, on s'en fout de Meryl, on va faire déjà la goutte d'eau. On dit que la tenancière de la rose en fleurs de la haute ville. Héros, loué soit le créateur, vous êtes là. Que s'est-il passé? Le premier enchanteur Orsino s'est violemment querellé avec le chevalier capitaine. Il est parti brutalement pour porter le problème devant la grande prêtresse. Mais le chevalier capitaine l'a pris en chasse. Je crains que le sang ne soit versé. Alors menez-moi à eux, avant que cela n'arrive. Je peux en tuer un? Je ferai fouiller la tour, des cachots jusqu'au comble. Vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Vous hébergez des mages du sang, et j'entends les déloger avant qu'ils ne contaminent la cité. La magie du sang, vous n'avez que ce mot à la bouche, et vous la voyez partout. Les miens ne peuvent pas éternuer sans qu'on les accuse de corruption. Ne jouez pas à ça avec moi, mage. Ma patience a des limites. Je n'avais pas vu que vous en aviez. Étonnant. Les tourtereaux s'y remettent. C'est sur votre conduite que les gens vont jaser. Vous êtes là. Vous n'avez rien à voir là-dedans, héros. Toi, ta gueule. C'est moi qui lui ai demandé de venir. J'estime que le peuple a le droit de savoir ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, c'est protéger les habitants de cette cité, en permanence. Ce que j'ai fait, c'est vous protéger, vous les mages, de votre malédiction et de votre propre idiotie. Et je compte bien continuer à le faire. Je ne céderai jamais de terrain. Jamais. Vous êtes allé trop loin, Meredith. Cette lutte doit cesser. Laissez-la accomplir sa tâche, Orsino. Y a-t-il encore des mages du sang? Alors j'ai envie de dire vous êtes allé trop loin, Meredith. Mais y a-t-il encore des mages du sang? Y a-t-il du vrai dans ce qu'elle dit? Ce sont ses dernières accusations en date, rien de plus. Et si elle ne trouve pas ce qu'elle est venue chercher? Jusqu'où est-elle prête à aller pour déloger quelque chose qui n'est pas là? Le héros sait mieux que personne à quel point le cercle est corrompu. Je dois trouver la source. Tu es allé trop loin, Bial. Je ne peux pas continuer à faire pression sur les mages. Avons-nous une alternative? Oui, tu meurs. Inversons nos places, voulez-vous? Allez donc dire aux pauvres victimes de mages possédés qu'ils ne voulaient pas faire de mal. Allez-y, héros. Dites que vous n'avez pas vu de vos propres yeux ce dont ils sont capables, que vous n'avez pas entendu les mensonges des mages perfides, assoiffés de pouvoir. Ils ne sont pas tous semblables, bah oui. Vous ne pouvez pas tous les condamner sur des actes commis par certains d'entre eux. Vous donneriez l'étiquette de vilain à tort à tout le monde. Je sais.
et cela me brise le cœur. Mais nous devons rester vigilants. Vous avez une autre solution ? Non. Eh bien, dans ce cas, ne me traitez pas de tyran. Cela ne mène nulle part. La grande prêtresse Altina mettra un terme à tout ça. Ne mêlez pas son excellence à tout cela. La grande prêtresse ne peut rien pour vous. Expliquez-vous, mage. Je ne resterai pas là à vous regarder traiter les mages comme des criminels. Alors que ceux qui nous ont guidés courbent les chines devant leur geôlier. Mais comment osez-vous ? Le cercle nous a abandonnés, Orsino. Même vous devriez le voir. L'heure est venue d'agir. Il ne peut y avoir de demi-mesure. Ander, qu'avez-vous fait ? Impossible de reculer maintenant. Matros, vous voyez tout, et puis Matros, je reste bloqué sur le A. Oh, la violence! Créateur, aie pitié. Pardon, je ne peut y avoir de paix. Pourquoi? Pourquoi faire pareille chose? J'ai écarté toute chance de compromis, car il n'existe pas de compromis. La grande prêtresse a été tuée par la magie. La chanterie détruite. En tant que chevalier capitaine de Kirkwall, j'invoque en l'instant le droit d'oblitération. Tout mage du cercle devra être exécuté sur le champ. Le cercle n'a même jamais fait cela. Héro, arrêtez-la. Aidez-nous à empêcher cette folie. Et je vous demande de vous rallier à nous. Même, vous devez voir à quel point cet outrage est intolérable. C'est violence. Le chaos. Nous devons aider le chevalier capitaine. Non, ce n'était pas de leur faute. Vous ne pouvez pas massacrer des innocents, enfin. On ne peut plus faire marche arrière. Vous devez décider. Alors, Anders, c'est de votre fait. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez déclenché ? Moi, oui. Désolé de n'avoir pas pu le dire plus tôt. Le cercle est une injustice, dans bien d'autres endroits que Kirkwall. Le monde doit ouvrir les yeux. Imbécile ! Vous nous avez condamnés ! Nous étions déjà condamnés. À une mort rapide maintenant, ou lente un peu plus tard. Personnellement, je préfère mourir en combattant. Et pour ce qui est des victimes ? Espèce d'assassin. La grande prêtresse, les mages... Vous avez leur sang sur les mains. Je sais. Peu importe. Même si je le voulais, je ne pourrais retenir ma main. Le peuple réclamera du sang. Je soutiens les mages, parce qu'il y a ma sœur. Les Templiers, parce que c'est des mages qu'on tout fait. Mais il y a ma sœur. Je ne la laisserai pas vous massacrer. J'étais sûre de pouvoir compter sur vous. Je dois me plier aux ordres, Hawk. Même à votre encontre, s'il le faut. Et donc vous voudriez défendre ces mages après tout ce qu'ils ont fait ? Vous jeter dans une cause perdue ? C'est bien ce que vous voulez. Même si vous n'avez aucune chance de remporter ce combat. Je sais que nous pouvons y arriver. Je crois en vous, Hawk. Yeah. Réfléchissez bien, héros. Restez à leur côté et vous partagerez leur sort. Alors, on va s'arrêter là pour l'épisode, parce que c'est un truc de fou. Je vais vous donner rendez-vous pour la suite. Les sauvegardes, ça va être chaud pour moi, mais c'est pas grave. Je vous donne rendez-vous pour la suite après ce choix cornélien. Je peux encore revenir sur ce que je veux. D'ailleurs, fou, il est en train de se barrer. Bref, rendez-vous pour la suite. Allez, ciao tout le monde. Ouss.